Ils sont revenus encore une fois. Qui ça? Les trips! Si tu ne les connais pas encore, je te fais un topo et tu vas comprendre pourquoi je suis dans cet état. Ouais, tu vas valider. Ce sont des petits insectes qui viennent sur tes plantes pour bouffer la sève. Je résume, grosso modo. Ils pondent leurs œufs dans le terreau, ils peuvent voler, alors pas très loin comme les oiseaux, mais suffisamment genre pour sauter sur toi, tu changes de pièce, ils sautent sur la plante après, voilà, tu vois, ils peuvent se répandre partout chez toi. C'est un peu le casse-tête. Ils sont tout petits, difficiles à repérer. En général, on voit d'abord les dégâts qu'ils ont faits, et donc quand on s'en aperçoit, ben, c'est déjà un petit peu tard. Tu peux te fier à 2-3 signes pour les repérer le plus vite possible. Le premier truc qu'on remarque en général, ce sont les feuilles qui prennent une teinte argentée, un peu grise, voire blanche. Et chez moi, elles commencent souvent par jaunir. Donc là, tu peux retourner les feuilles parce qu'en général, ils sont en dessous. Et il y a un truc que tu as des chances de voir, ce sont des petits points noirs. C'est le caca des trips. Ce sont leurs excréments et donc ça, ça signale leur présence. Un autre détail qui, en général, te met sur la bonne piste, c'est quand tu as des nouvelles feuilles qui sont toutes bouffées avant même de se dérouler. Et ben ça, ça peut être signe qu'ils sont là parce qu'ils adorent les jeunes pousses. C'est tellement meilleur. Ils aiment aussi les fleurs. Je l'ai vérifié, ils m'ont bouffé les fleurs de 2 orchidées Miltonia. Donc, à un moment donné, quand tu commences à te douter de leur présence avec tous ces petits signes, tu vas regarder s'ils sont là. Et là, je te conseille de t'équiper. Une loupe. Alors, une vraie loupe, hein. Pas une fausse loupe fabriquée pour ton gamin, ou alors un compte-fil. Et ça, c'est super pratique parce que tu grossis et tu vois bien si ce sont des trips. Est-ce que c'est grave d'avoir des trips? Nous allons le savoir tout de suite avec le témoignage de Miss Maranta. Alors, Miss Maranta, il y a une semaine, vous aviez encore des feuilles vertes. J'ai été parfaitement en forme et puis ces petits insectes sont arrivés. Maintenant, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Voilà. La pauvre Miss Maranta a été attaquée par des trips, c'est allé très vite et malgré mon action désespérée à coups de pchit-pchit, eh bien voilà ce qui reste. Alors pourquoi je la garde? Oui, parce que ça se fait pas de jeter des plantes, je suis d'accord. Mais elle a une nouvelle pousse sur laquelle je mise, donc je vais couper le reste. Ça a l'air extrême, mais en même temps, les trips, ils pompent la sève de ta plante, ils se reproduisent en masse, donc fatalement, ta plante, elle est vite en PLS et puis elle trépasse. Alors là, c'est le grand mystère. En vrai, j'ai longtemps soupçonné qu'ils venaient par dehors, par le balcon, puisque c'est ce qu'on appelle les bêtes d'orage qu'on voit souvent l'été sur les cultures. Mais en réalité, la plupart du temps, ils infiltrent notre collection par le biais d'une nouvelle plante qu'on vient d'acheter, qui a l'air toute clean, mais dans le terreau de l'alcool, il y a des œufs ou des larves de trips. Cette année, je veux m'en débarrasser complètement parce que j'en ai marre de voir toujours des trips revenir, j'en ai marre d'avoir peur pour mes plantes les plus rares, dont mon Aglaonema pictum tricolore par exemple, qui en a déjà eu une fois. Donc action, et je vais te détailler mon plan d'action étape par étape. Ceci dit, je te rassure tout de suite, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on en parle et qu'il y aura d'autres solutions parce que je me suis renseignée, il y a d'autres façons de lutter contre les trips et je pense qu'on va toutes les essayer de manière à savoir quelle est la meilleure ou la plus efficace selon comment on vit, selon notre environnement et la taille de notre collection. Allez hop, c'est parti. Point numéro 1 du plan d'action, je vais traiter toutes mes plantes. Toutes mes plantes, sauf les succulentes. Vraiment, elles n'intéressent pas les trips. Mais j'ai retrouvé des trips sur les tiges de mes cactus zigzag. Alors là, tu te dis, ok, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de règles du jeu. Donc je vais traiter toutes mes plantes. Alors, ce que j'utilise, pas de solution à base d'huile de neem. On n'a pas le droit de l'utiliser, cette huile, en France, comme insecticide. Alors, par contre, on peut l'utiliser pour lustrer les feuilles, donc il faudra m'expliquer le principe. Donc, ce que je fais, comme en ce moment, j'ai pas le temps de me chercher des petites recettes et tout, j'utilise en général un produit que je trouve sur le marché. J'ai utilisé une bombe, c'est très pratique quand t'as vraiment pas le temps de faire une dilution, tu veux agir rapidement, et sinon, j'utilise par exemple, en ce moment, celui-là. Alors, c'est rarement marqué trips sur le devant. Tu vas voir sur le côté ou derrière les indices. Là, j'ai plantes d'intérieur et balcon, acarine et nini, trips. Là, tu te dis, alléluia, j'ai trouvé un produit qui va traiter les trips sur mes plantes d'intérieur, donc tu peux le prendre. Mais tu vas vraiment rarement trouver un produit où c'est marqué trips sur le devant. Bref, une fois que mon produit est prêt, je les sors toutes dehors parce que je ne veux pas pulvériser ça à l'intérieur. Je traite dessus. Dessous, je pulvérise bien sur les tiges aussi et sur le terreau, un petit coup sur le terreau, je me dis que ça fait pas de mal. Ensuite, je laisse sécher et pendant ce temps-là,
Phase 2. La phase 2 de mon plan consiste à nettoyer les surfaces. Je nettoie les étagères et les cache-pots et un petit peu le sol autour des étagères parce que les trips, ils sautent, ils volent et j'en ai même vu sauter sur mes cheveux. Alors imagine, j'ai le trips sur les cheveux, je me balade dans la pièce d'à côté, bah, j'ai ramené les trips sur les plantes qui sont dans la pièce d'à côté. Donc l'idée vraiment, c'est que ça ne sert à rien de traiter tes plantes si à côté de ça, tu laisses des trips se balader dans leur environnement. Donc, on retrousse ses manches, on sort son éponge et on nettoie. Point numéro 3, je vais choper ce qui traîne. Alors je te préviens, c'est moche. C'est vraiment moche. Mais tu vas en mettre parce que c'est efficace. Ce sont des pièges bleus autocollants. Ça, c'est la couleur qui attire les trips. Ils aiment ça, ils viennent dessus et ils sont collés. Donc ils ne peuvent pas retourner sur tes plantes, ils ne peuvent pas les pondre et voilà. Alors attention, ça... Tu le mets pas dans un petit coin discret. Ça, tu le mets là, quoi, à côté des plantes atteintes. Parce que les trips, ils volent pas non plus comme les oiseaux. Je te l'ai déjà dit en début de vidéo. Donc, il faut mettre ces petits pièges assez près. Comme ça, ils les voient bien. Ils arrivent à aller dessus. Et puis, voilà. Et désolé, je fais un boucan pas possible. Comme si j'avais pas pu attendre d'avoir fini de parler pour ranger ça. Nous arrivons donc à la phase 4 du plan. Et ça, ça ne se passe pas tout de suite. Ça va être à peu près au bout de 7 jours. Je vais retraiter. Tout simplement parce que tes trips, tu les as dégommés avec ton produit, mais dans le terreau, il reste des œufs et potentiellement des larves. Il peut même y avoir des larves dans les feuilles. Donc fatalement, au bout d'un moment, les œufs vont éclore, les larves vont se réveiller et devenir des adultes, et tout ce petit monde va se redévelopper. Et toi, tu vas dire « J'ai encore des trips !» Donc on retient qu'une session de traitement, ce n'est pas suffisant, on reste vigilant et on n'hésite pas à traiter à nouveau. En général, tous les 7 à 10 jours, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de respecter les préconisations du produit que vous avez choisi. Comme ça, tac tac tac, on est dans les clous. Nous y voilà, j'ai tout fait. Je suis dans la phase où j'attends de voir si je retraite, surtout s'il y a des manifestations de présence des trips. Je pense que cette vidéo n'est que le début d'une saga parce que ça me ferait doucement rigoler que j'arrive à me débarrasser des trips comme ça, là, au mois de février. Mais bref, ce serait fantastique. En tout cas, je vais sûrement essayer d'autres techniques. Je reviendrai vous parler de l'efficacité de mon plan d'action. Et surtout, maintenant, le truc qui me ferait du bien, ce serait que vous me racontiez vos galères de trips. Racontez-moi vos galères de trips, ça va me rassurer, ça va me faire du bien, je vais me sentir beaucoup moins seule, je vais me sentir comprise et soutenu dans cette épreuve difficile. J'espère que le contenu vous a plu, vous a été utile. N'hésitez pas aussi à partager vos astuces anti-trips et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.